Quand on parle de mesmérisme, on voit souvent des vidéos où les gens ont ces crises au sol. Ça peut paraître intense, flippant, ça l'est, mais c'est tellement précieux, tellement efficace. C'est d'une redoutable efficacité pour tout ce qui est libération, tant pour les traumas physiques, émotionnels. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important de pouvoir éviter de porter tout le poids du passé sur les épaules alors qu'on peut s'en libérer très facilement en une ou deux séances. Voilà. C'est une formation qui a été très intéressante et ça a permis de développer beaucoup mon ressenti au niveau énergétique et mes techniques et mes connaissances sur tout ce domaine, le domaine ésotérique et énergétique. J'aime beaucoup le groupe, c'est pour moi une très forte expérience que j'aimerais refaire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a tous les profils. On a des gens qui sont déjà hypnothérapeutes, qui ont un cabinet, mais il y a aussi des personnes, en fait, ils ont vu de la lumière, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe, je vais rentrer, et en fait, qui ne connaissaient pas du tout et qui sont en train de changer complètement. Donc, ce qui m'a marqué, c'est la facilité surtout, voilà, c'est la facilité de mettre les personnes en transe, voilà. Sans trop parler, c'est limite magique. donc voilà, on peut guérir de pas mal de choses, donc c'est super. Je la conseille vraiment à tout le monde qui voudrait découvrir des choses nouvelles, parce que c'est pas une technique d'hypnose genre l'hypnose ericksonienne que tout le monde connaît, mais c'est l'hypnose non-verbale. Et ça peut toucher les gens beaucoup plus profondément que les paroles. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le cas. On travaille d'abord sur soi avant de travailler sur les autres. Et c'est ça qui est génial. Après, moi, je ne m'interdis pas d'ouvrir un cabinet, du coup, parce que ça m'a ouvert mes champs. J'ai déjà fait plusieurs formations en hypnose, mais j'avoue que celle-ci, ça m'ouvre un champ des possibles qui est juste incroyable, quoi. Incroyable.